Hello, hello les amis, c'est Frit et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Roblox Squid Game. Vous voulez votre dose quotidienne? Eh ben vous inquiétez pas, vous allez la voir avec moi aujourd'hui tout simplement car on va retourner sur une map qu'on avait déjà testée où il y a eu des nouveautés depuis. Mais vous savez, si vous avez vu la vidéo d'hier, je n'étais pas là pendant 4 jours. Du coup il s'est passé plein de trucs, tu vois. Et moi j'étais là en mode, mais putain, mais moi j'ai envie de faire des petites vidéos et tout, tu vois. Et je ne pouvais pas, mais vous inquiétez pas, je compte bien me rattraper. Du coup en fait il y a eu des nouveaux jeux qui sont sortis sur la map où j'ai payé 4000 Robux pour devenir un garde, mec. Et ouais, je l'ai encore là, tu vois. J'ai payé 40 balles de Robux pour pouvoir avoir la tenue de garde que j'ai encore d'ailleurs et que je garderai toujours sur cette map là. Au moins, on va dire que c'est un achat que je vais pouvoir encore rentabiliser. Donc ça va, voilà. J'essaie de me consoler comme je peux. Donc là, merci pour tous vos retours à chaque fois. Vous êtes vraiment les boss pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires qui sont adorables. Aux 20 000 abonnés, je vous remercierai avec un énorme live Squid Game qu'on fera tous ensemble. C'est pas à rejoindre les rangs, à rejoindre la famille. Et sinon, on perd pas de temps, on arrête de parler à découvrir ces nouveaux jeux. J'espère que vous êtes prêts. Si oui, on est parti. Voilà, vous vous rappelez de cette map-là, regardez, ça m'a coûté 4000 Robux en tout pour juste avoir la tenue des gardes. Mais au moins, je suis un petit peu le shiny de tout le monde, là. Tu vois, tout le monde est en bleu et moi, je suis en rouge, donc je suis un petit peu le participant shiny de ce Squid Game, en tout cas de cette map Squid Game. Et j'ai vraiment hâte, là, ça va commencer dans une vingtaine de secondes. Oh, putain, on est 100 en tout. Ah ouais, mec, un nombre de gens, t'as peur, 100 personnes en tout. Ah là, il va falloir éliminer de la concurrence parce qu'il n'en restera qu'un, comme dirait notre cher Denis Brognard. Donc là, je sais pas du coup si maintenant qu'il y a d'autres jeux sur cette map là, est-ce que du coup ça va être éliminatoire et on va enchaîner les jeux, ou est-ce que c'est vraiment genre un jeu random comme la map qu'on a fait hier, genre en mode t'as un seul jeu et genre même si tu le gagnes, genre tu passes pas à la suite, tu reviens au lobby et tu attends d'avoir un nouveau jeu. On va voir du coup. Waiting for players, on doit attendre qu'il y ait d'autres joueurs. Hey, pourquoi je suis pas en tenue? Mais attends, mais mec, dis pas que entre le truc hier, le bug d'hier, ok, attends, ah c'est bon, j'ai peur, attends, quand même pas payer 4000 Robux une tenue pour pas pouvoir l'avoir, ce serait quand même abusé, tu vois. Et du coup, non, c'est bon, on doit juste attendre que tout le monde est en place, que toutes les tenues soient chargées, je pense, bah là, c'est le cas. Donc, je pense que ça devrait pas tarder à commencer. Et on va voir du coup si aujourd'hui je vais être d'humeur à survivre ou à mourir comme un déchet. On va voir. Ah, le petit compteur est là, attention, 2, 1, c'est parti pour le massacre. Waouh, make your way to the first game. Donc c'est parti, emprunte le chemin pour aller au premier jeu. Ça a bien changé, en tout cas, ça a l'air cool avec les petits gardes qui sont postés en mode eh, tu fais le malin, mon gars, on te tire une balle dans la tête, t'es pas prêt. Donc on va se tenir à carreau, très clairement. Notre but c'est d'être sérieux et de survivre dans les épreuves et non pas de se faire éliminer avant même que les épreuves commencent. Ce qui serait quand même très dommage. Ah là, je pense que ça va être le classico classique. En même temps, si on suit la suite logique, on doit commencer par le 1, 2, 3 soleil. Mais là, on va essayer de, voilà, de se faire rapidement et de gagner, de survivre surtout. Enfin, c'est pas vraiment gagner, c'est plutôt survivre pour après enchaîner les autres jeux. Bon, les explications, on passe, hein, on connaît. Allez, ça va commencer. Ok, c'est parti. Ah oui, mais c'est plus dur ici. C'est plus dur. Vas-y, j'attends. Oh, j'ai gratté un petit centimètre là. J'ai gratté un petit centimètre. Waouh! Ok. Ah, j'ai peur, je te jure. Il y en a plein qui vont se faire éliminer. Ouais, il y a mon téléphone qui fait des recherches sur internet, pourquoi il fait ça? Déjà que c'est dur de se concentrer. Si le téléphone s'y met. Ok, j'attends. Ouais, il y en a, ils sont trop gourmands. Ok. J'attends. Je lève les mains, je ne touche plus rien. Oh non, j'aurais pu gratter grave du temps. Ok. Là, elle va faire un troll. Ah, je savais. Je savais qu'elle allait troller, c'était évident. Ok, là, j'ai peut-être. Oh! Wow, ok, j'ai de la chance. Green light. Allez. Ok. Wouhou! J'ai eu peur. Ok. Je savais qu'elle allait troller. C'était sûr. Ok, vas-y, retourne ta grosse tête là. Elle a des yeux partout. Ok. Allez, bientôt. Ok, j'attends. Moi, je prends pas de risque. Zéro risque, les amis. Zéro fucking risque. Allez. J'attends. Ne soyons pas trop gourmands. La gourmandise est un vilain défaut. Ok? Donc, restons patients. J'aurais pu largement y arriver, hein. Mais écoute, je me suis dit, tu sais quoi, on prend zéro risque. Là, je vais faire juste un pas en avance que je sens le troll, en fait. Je sais pas pourquoi. Je sens qu'elle va troller vite fait là, en te spi. Tu vois, je sais pas pourquoi je le sens.
Let's go, ok, j'ai pris un risque, ok, j'ai eu peur. T'as senti un peu la pression ou pas? J'ai eu super peur, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? J'ai trouvé un crâne caché, un crâne dégueulasse, mais c'est un bug en fait, ou c'est un secret, je comprends pas là. Pourquoi est-ce que y a un putain de crâne caché ici là? Je ne comprends plus. En tout cas, j'ai survécu et ça, c'est le plus important, mesdames, messieurs. Je suis en vie et ça n'a clairement pas de prix. Ah, malheureusement, tu n'auras pas le temps. Tu n'auras pas le temps, clairement, Océane. C'est la fin pour toi, c'est terminé. Eh oui, malheureusement, tu n'as point survécu. Mais nous, oui, nous sommes plus maintenant que 28 dans la game. Regardez ma grossette, elle est juste là. Regardez-moi ce petit beau gosse là, avec ce petit smile. Moi, je suis numéro 429. Mec, en fait, je fais partie des derniers, mais t'inquiète pas. Dans les numéros, je vais être dans les derniers, mais t'inquiète pas que dans la survie, je vais être dans les premiers. Ah ouais, je vais vous montrer, vous allez voir, vous allez voir. En tout cas, je suis content d'avoir survécu au 1, 2, 3 soleil, mais maintenant, c'est l'inconnu pour moi. Je sais pas quel jeu on va avoir maintenant. Tu vois, là, je découvre. Suivez le chemin pour aller au second jeu. T'inquiète pas, frérot. Je suis le troupeau et on va se diriger pour une nouvelle épreuve et pour de nouveaux plaisirs. Pas parce que je vois pas ce qu'il y a de marrant à risquer sa vie en fait. Tu vois, mais bon, quand même, c'est cool, c'est drôle. Ah, là c'est la suite logique comme dans la série. Nous sommes du coup dans l'espace de jeu, l'ère de jeu, avec les fameuses formes. Mais du coup, comment est-ce qu'ils ont fait le bail alors? Est-ce qu'ils ont réussi à refaire l'épreuve? S'ils ont réussi à faire l'épreuve, c'est un truc de dingue. Et pourquoi je suis content moi? Arrête d'être content mec, c'est pas le moment de crier victoire. Là, tu es toujours dans la course. On a un garde qui nous met un gros coup de pression là devant nous là. What the fuck? Ah, elle parle de cookies. Oh, c'est comme dans la série. Waouh, oh, ouais. Click to cut your cookie. Attends. Ah oui. Oh merde. Oh merde, j'ai fait de la merde. Ah ouais. C'est comme dans la série. Par contre, j'ai mis un gros coup sur. Oh non, je fais de la merde. Putain, j'ai de la chance. En plus, je sais pas si tout le monde a la même forme. Mais moi, j'ai qu'un rond. Donc, c'est bien en vrai. C'est très très bien. Ah non, la pression. Oh merde. Oh. Ah non, il se casse. Il se casse. Je lui ai mis un gros coup en même temps. Là, tout à l'heure. Ok, on a du temps qui. Mais la pression de ouf. Oh merde, 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 merde. Oh, mais c'est trop chaud en vrai. Oh merde. Mais pourquoi ça va plus? Non. Mais non. Ah ouais. Ah ouais, c'est comme ça que ça se passe en fait. Mais mec, c'est chaud. Ah non, j'ai le seum. Oh non, j'aurais voulu survivre. Oh, j'ai trop le seum. Ce qu'on va faire en fait, c'est que je vais cutter et au moment en fait où je retourne à la deuxième épreuve. Parce que là, en vrai, non, j'ai trop le seum. A few moments later. Petit beau gosse là, j'ai du coup réussi à nouveau le 1, 2, 3 soleil pour revenir ici. Et je sais pas s'il y a un choix à faire là. Clairement, moi, je vais reprendre le rond ou peut-être le triangle. Non, le triangle, je pense que c'est le plus simple. Donc je sais pas en fait ouais si on peut choisir notre forme. On verra si du coup en allant auprès du triangle si je vais avoir le triangle ou pas. Mais on verra bien. Je vais essayer du coup de prendre ma revanche. Parce que là j'ai fait un coup en fait tout à l'heure sur mon cookie sans faire exprès dès le départ. C'est vraiment le truc à pas faire quoi. En même temps je connaissais pas, je savais pas comment ça allait se passer. Un garde devant un garde, c'est marrant ça quand même. Bon je pense qu'on va, ouais on a tous le même en soi. Ok, click to cut your cookie. Allez, c'est parti. Oh non, j'ai le parapluie mon gars. Mais mec c'est trop, c'est trop. Ok. Ah non, c'est pas normal, c'est pas normal, mais non. Ah mais non, mais tu veux que je fasse quoi avec ça? J'y arriverai pas. C'est mort, j'y arriverai pas les amis. C'est terminé pour moi. Là, clairement, c'est la fin des haricots. J'ai trop le seum, toute cette attente pour revenir ici. Et perdre lâchement. Mais non, mais oh putain, c'est dur, j'ai eu le pire. C'est la pire forme possible. C'est le parapluie, mon gars. Laisse tomber, gros. J'aurais pas pu avoir pire. Alors, j'avais eu de la chance, je pense, en vrai, d'avoir le rond. En fait, le mieux, c'est quand t'as le triangle. Mais le parapluie, me laisse tomber. Mais qui peut réussir le parapluie, sérieusement? Je pense qu'il y a moyen d'y arriver, mais il faut beaucoup de chance. Et je connais pas vraiment la technique. Mais bon, dommage, dommage. En tout cas, c'est grave cool d'avoir vraiment les mêmes épreuves dans la série. Là, pour l'instant, c'est vraiment la map la plus fidèle, je trouve. Il y en a qui créent leur propre jeu, mais c'est vrai qu'avant de créer des nouveaux jeux, bah, c'est bien de créer les jeux de la série, tu vois, histoire à la fin d'avoir vraiment toutes les épreuves. En tout cas, les amis, on va se laisser là-dessus pour cette découverte de map. Je sais pas du tout s'il y a une troisième épreuve. Après, si en fait, peut-être qu'on peut faire tout le Squid Game et l'objectif ce serait d'un jour de réussir à survivre à toutes les épreuves de cette map là. Mais en tout cas, c'était cool de découvrir un petit peu le deuxième mini-jeu avec les trucs de sucre là. En tout cas, si vous avez kiffé cette vidéo, vous pouvez liker, commenter bien évidemment, mais surtout vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les futures vidéos sur la map. Enfin, sur les maps, vu qu'il y en a beaucoup, c'est Roblox Squid Game. Bref, c'était votre Twitch, je vous dis, prenez soin de vous, portez-vous bien, et on se retrouve très très vite. Allez, salut tout le monde!